Bonjour Tickel, comment bonjour ça va? Bonjour Pouf, ça va bien et toi? Super bien, ouais. Bonjour le chat, bonjour au Gaming Starcraft 2. Une grande soirée autour de Starcraft sous toutes ses formes. Et tous ses niveaux. C'est ça. On va récupérer, toi tu joues, toi t'as déjà joué au jeu. Non, et bah tu vas le lancer pour la première fois, t'as c'est pas ça. Trop, on va t'enfiler hein. Il y en aura vraiment pour tout le monde et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc du genre. On vous invite du coup sur une nouvelle émission qui s'appelle donc F2. Regarde ce qui se passe parce que ça va faire. Regarde ce qui se passe sur ton écran. Allez, on regarde ce qui se passe. Attention, ça va arriver. Là, faut faire des trucs avec tes unités. Ou pas, tu peux aussi regarder tes unités mourir. C'était toute ta pop. Un truc précis. Ouais, attendez-vous à des trucs tordus, je pense. Parce que Ténicron plus Pouilleux, ils ont même pas une demi-race pour eux deux. Donc attendez-vous à des saloperies, quoi. Eh bah, merci. Après, s'ils meurent avant de faire des saloperies... Exactement. En bas à droite, c'est les modérateurs. En haut à gauche, les bros, quoi. Et ça colle le GG. GG. Aïe, 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 les cancres de O-Gaming vont battre la modération. Aïe, aïe, quel aïe. Cauchemar. Bah, merci. Après, s'il meurt avant de faire des saloperies... Exactement. Ok, moi je pense que là, je suis tout de suite maintenant, je suis modérateur, je suis un peu deg, quoi. Je me dis, putain, il y avait quelque chose à faire. Moi, je serais deg aussi si j'étais modo, honnêtement. j'ai hâte de voir si on va avoir des BO qui ressemblent à quelque chose. Est-ce qu'on va mettre 10 minutes à faire des bâtiments? Il a déjà pris des petits réflexes, en plus, là, comme il s'est chauffé sur le game avant. Tu peux y arriver, mon bro. Ah non, c'est pas la même phrase. Mine invisible, ça va être... Et je pense que c'est une unité que Almo ne connaît pas, donc on va voir. Attention, le drop mine. Dans la ligne de minerai, il y en a 4. Est-ce qu'elle faut les enterrer? Allez. Ah mais il y en a 3. Ah oui, il l'a pas vu. Et c'est parti. Almo qui réagit pas, il y a une mine qui est pas enterrée. On tue pas mal de prop déjà. Ça a quasiment rien tué. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si elle en... Alors là il... Bon, techniquement. Ouais. Techniquement, dans Starcraft, il faut détruire tous les bâtiments pour gagner. Mais en général, les gens, quand ils savent qu'ils peuvent pas revenir dans la game, bah ils quittent, ils GG. Ouais. Et là, c'est ce qu'on appelle être BM, c'est-à-dire bad manner. Essayer de gagner un maximum de temps. Qui aurait cru que les créatifs allaient être aggro, tu vois? Genre, c'est pas censé être des strats un peu élaborés, un peu stylés. Bah, normalement, et tout. Un créatif ça fume des pétards, bah, c'est ça, ça prend rien de sa journée, vois, genre, c'est pépouze. Bah, ouais, ça se promène en Sarwell, en envoyant il a des tresses, tu vois ce que je veux dire? Genre, non, mais je suis d'accord. Ensuite, on a 113 quand même. Ça hein. Se passe, ça très se bon groupe, bien sûr, et 29, c'est une catastrophe. 113, t'as pas connu toi, c'est quoi? Clem? Ouais, non. C'est un groupe qui performait pas mal, mais t'avais genre 0 en quoi. Bah, genre 0 en, ouais. T'as le Attends, attends! Il y a la sortie! Oh mon dieu! Le rouleau compresseur! Ils ont tellement, mais non. Regarde, Réatal se marre, ils s'en va dans les cons. Alors. On est tellement plus forts, ils savent pas qu'il s'est passé des trucs. Oh là là, c'est une dinguerie. Ils sont juste en mode. Oh, il se fait rentrer dedans par Steam Midman! Mais les airs qui se font éclater la gueule! Ok, c'est difficile à call quand tu fais Zerg contre Terran, t'as envie de mettre Terran gagnant, mais si on disait Zerg contre Mistral? Zerg contre Mistral. Ouais, Mistral. Mistral. Vous mettriez Mistral gagnant? Ça veut dire quoi? Ah putain, ils sont cons, c'est pas possible. C'est une référence, vous avez pas l'âge, vous êtes trop jeune. On est parti directement. Qu'est-ce qu'il raconte? Je mettrais quand même l'avantage à Stefano. Ok. Quand même. À moins qu'il faudrait vraiment que TKL et Funka aient une bonne stratégie où vraiment ils abusent du fait que c'est 2v1 au début pour vraiment le cripple Stefano. Parce que sinon. Ça va être difficile. Et puis c'est pas comme si Ponf fallait faire aucune unité quoi. Ponf oui, il est quand même, voilà quand même, faut respecter Ponf un petit peu. Il fait des trucs, il fait des trucs. C'est, faut pas le donner pour mort, il fait des trucs. Ah, avec lui. Le Terran, bien. Oh, alors je quitte. Ouh. Ok, on m'a dit. Attends, c'est la strat. Moi on m'a expliqué. C'est la strat. C'est la strat. Et puis c'est pas comme si Ponf fallait faire aucune unité quoi. Et puis même, genre, il y a 4 queens en face quoi. Attention. Allez, vas-y mon bon. C'est maintenant. Vas-y mon bon. Il faut dodge. Dans tous les cas, il y a 51 drones en face pour 18-18. C'est horrible. Et ça va revenir full life. Oh, regarde, il fait un rageur. Est-ce qu'on y croit au comeback là quand même? Parce non. Que. Non. Non, mec, on n'y croit pas une seule seconde. En soi, est-ce que c'est pas aussi un juste retour des choses? Parce que ça, du coup, gagner sans avoir joué, c'est aussi ce que Stefano a fait pendant Nation Wars 3. Oh. Enfin, je veux dire, quelque part. Ça bâche gratuitement là. Okay. On s'est fait 2v, on s'est fait 1v2. Caster cette game, c'était très agréable. On l'a écouté là sur le téléphone. En allant fumer une clope dehors, c'était parfait. Vous êtes très bon. Franchement, t'es là, mais qu'est-ce que c'est que ce trio, quoi, en fait? Genre, donnez-leur un boulot, quoi. Et à tout moment, on reprend une game si besoin d'énergie. C'était aussi ce message que je voulais passer.
Pour l'instant, ça va. En fait, tu veux nous remplacer. Ok, il a l'impression, t'as vu. Ah, le mec est passif agressif, il arrive, il dit vous êtes vachement bien, mais quand même, si vous voulez qu'on vous remplace, bande d'amateurs. Alors, c'est ready. J'ai fait 0-3. Oh, ça va. Oh là là, oh là là, putain, t'as, c'est vrai que les terrains ils font que pleurer, hein. En tous les cas, vous avez tous les deux très bien joué, voilà, malgré ce qui peut en être dit, hein. Rejoins-nous sur le plateau, Ponce. Oh, Nuke. Ouf. Attends, quoi? Ça me rappelle quelque Attends, chose. Attends, mais non, Skok. Scott, non! Une seconde, je suis venu check la game, j'ai fait non, mais ça va pas se finir soul, je peux aller danser la javanaise. J'ai pas dansé au final. Qu'est-ce qu'ils. Nous avons une belle dingue en production, messieurs, dames. Nous avons un 5 versus 3 qui s'organise. Les Alexandres contre Alexandre les Cléments. Contre les Cléments. Ouais. On peut parler équilibrage si tu veux. Je pense que le meilleur de la team des Alexandres, il arrive à peu près un peu au-dessus quand même du moins bon des Cléments. Oh là, ça commence à être des théorèmes chez nous. J'avoue que ouais, j'ai calculé le truc. Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu un Pythagore vers le meilleur des Cléments. Retour vers le moins bon. Thalès pour voir la parallèle, le truc. Et je dis non, Clément, non, il non, est quand même pur à côté de Funka, tu vois. Monsieur, c'est chiant. F2. Non, mais il est grand. C'est Funka. Bah, non, c'est Arthur. Mec. Spam-le. C'est Arthur. Bah, est-ce que t'as le F2. Moi, j'entends Funka là. Ouais, moi aussi. Mais j'entends un truc de ouf. Ouais, même Funka a l'impression que c'est lui. Même Funka a l'impression que c'est lui. C'est vraiment sa voix troll, quoi. C'est vraiment sa voix troll. Allez, ici en bas à droite. F2. Baidi. F2. C'est très similaire. C'est la même chose. F2. Baidi. F2. Il est l'heure de déterminer pour de vrai. C'est là où on joue. Non, mais en fait, il est l'heure de déterminer une question qu'on se pose depuis très longtemps, tu vois. Un pro-gamer, ça vaut combien de noobs? Donc on va se le faire de manière graduée. Très simple. Première game, 1 contre 2. On se doute du résultat. Mais game suivante, 3 contre 1. Ouais. Game suivante, 4 contre 1. Là, faut y aller avec tout. Là. Il y a tellement trop. Oh, il y va tout seul. Elle y va tout seul. Allez, allez, elle y va. Allez, qui la guerre. Oh là là. Allez, c'est oblitéré. Oh là là. Ça, c'est mon dieu. C'est terrible. Il a rien perdu. Oh la vache. Il a rien perdu, c'est honteux. C'est honteux. Là, il y en a un, il sait pas encore, mais il y a une épée d'Alcoclès au-dessus de la nuque. Et c'est parti. Et là, ça ambiance. Et les Slowlings. Allez, les Slowlings. Allez, les Slowlings. Bien joué. Bon, malheureusement, il est un peu à Walp à la maison avec un Medivac à moitié plein, mais. Nantes. Oh, il y a un tank. Il y a un tank, c'est terrible. Ah, par contre, le pauvre Hydrae focus d'Alexis. Voidrae. Il faut pas les mettre sur les tanks. Oh, il y a beaucoup de lignes. Il clique les tanks. Il clique les Medivac. C'est défendu. Battez-vous-en les couilles. Allez, lui. Alors, lui. Il meurt 1000%. Oui. Allez, les tanks. Oh, les Bendix, les Slowbendix contre les tanks, c'est terrible. On va focus le CC, je sais pas pourquoi. On de sniffer le noob qui a pas quitté là. C'est lequel qui est tu pas fais 3 Void Ray dans ton coin, toi. Mais attends, mais j'arrive là. En vrai, il a 3 bases, Kish. Il est en mode. Les gars, je joue moi. Il a toutes les ressources de ses potes et il est en mode, je vais faire des grandes choses. Tu vois. Ah, il est en train de quitter surtout, je crois. Peut-être qu'il cherche la touche aussi, ouais. C'est parti, les amis. La team du Sud qui représente Altab et qui va devoir challenge Clem en 4v1. On vous les présente tout de suite. Ils étaient pas prêts. Je les ai pris au dépourvu, mais j'avais envie de checker s'ils étaient chauds. Athéna. J'ai entendu. Ensuite. C'est lequel? Mystica. Mystica. Ouais. En régie, ils sont en PLS trop. Alex Kish. Lasquin. Et en face de lui, les amis. Clem. Ah bah d'accord. Le grand Clem. Clem. Le roi. C'est qui le petit con qui m'a coupé la parole? Clem. Voilà. Là on discute là. Là ça joue. La 7 là, ça joue. Qui a été rajoutée. Oui, j'avoue, c'est marqué 1v3 à l'écran, mais c'est 1v4. Ouais, tout à fait. Oh, la belle micro ici pour venir à bout des marines. Oh putain. Interception. Non. Oh, attends. C'est pas mal ce qu'il va faire. Il va pouvoir prendre des deux côtés. Oui. Ouais, c'est volé là. Oui. Est-ce que c'est perfect? Bon, il tue un Reaper, c'est extraordinaire. C'est déjà bien. Faire un mass reaper. Voilà. Oh ils sont chase. Oh, c'est fini. Oui. Tous les reapers qui vont tomber. Y a plus de reapers, ça va commencer à respirer. Silence au 20, ça m'énerve un peu. C'est génial. Ils ont pas le speed. Bon, Mysticadine, arrivage vers 4 minutes, vers 10 minutes 52 environ. Estimation avec le retard, la météo n'est pas bonne. Lascar qui push, mais il est tout seul. Ah, ok, non, c'est bon, il y a Tank qui arrive. Le double front, par contre, il y a un tank, il faut le focus. Le tank, le bunker qui est focus. Le tank. Il perd tous ses stalkers.
dieu, ils sont pas. Non, ils sont pas synchro. Ah putain, quelle horreur. J'ai envie de crever. C'est... Oh, Akeda, le deuxième drop sur la B2. Il y a pas de défense, il y a pas de défense, il va pas rien. Tu es civil là, c'est pas mal. Siège ton tank, siège ton tank, siège ton tank. Oh là là, siège son tank. Ragnar qui rigole pas. Ici c'est ça m'engage, coup de tank dans les civils. Là. Boum. Okay. Commence à y avoir beaucoup pour Clem. Bon après l'Asuka il est à 14 de pop. Hein. Il a... Ah je suis mort. Les civils, regarde ça, le rebaille dans la ligne de minerai. Et ça kite hein, ça target les civils. Alex Kish qui rigole zéro. Ça fait gérer pendant ce temps là. Petit pas sonore mec et qui se passe sur les trackers. Comment je fais pour les descendre? Non mais il va gagner Clem, genre... Attends, y'a pas mal de roches quand même, ouais, y'a deux tanks qui sont bien positionnés, le rock pas dans la ligne de minerai bien sûr. Non parce qu'en fait le truc c'est qu'à part le premier push, bon... Oh, oh, oh. Attends. Alors peut-être. C'est pas mal ça. Clem il a plus de ligne de minerai là. Ouais, il ne mine plus. Il trade, pendant ce temps là sa ligne de minerai elle est à feu et à sang ici aussi. L'Asquin, bon l'Asquin c'est une honte hein, l'Asquin franchement. Y'a quatre drones, fais un geste bro. J'en pense à tes Meiju, tu vois. Ok, Clem qui voit l'option. Ah, il clique le voilà. Bon, l'Asquin qui reviendra dans 5 minutes. je suis dur. Ouais. Non, mais je suis dur, mais c'est gollerie. Ah, ouais, c'est drôle, c'est un peu drôle dessous de sa gueule. En train de les bolos, c'est génial. Sur les tanks, sur les tanks. Ça peut s'y mettre. Sur les tanks. Non. T'as vu les ravageurs, ils ont lancé les billes. Peut-être. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Il y a beaucoup trop. Il y a trop, ça hésite, mais il y a trop. J'avoue. Et voilà, GG. Il faut 4 noobs pour challenge Clem sur une game de 12 minutes et finalement le battre. C'est 12 vrai. Minutes en 4v1, voilà la réponse. Merci à tous, du coup pour cette soirée, c'était Fat Lourd. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de nous suivre depuis aussi longtemps. C'est génial, c'est une expérience de ouf. C'est beau, merci, salut. Rendez-vous sur Utip ou sur OGSC2, ma man. Les choses se passent. I don't understand what's going on here.